What's up YouTube, ici Postmortem pour Noob to Legion dans ce deuxième tutoriel où on va apprendre à jouer Oil Rogue. Donc un deck combo extrêmement adaptatif. Puis on va tout faire ça en compagnie de notre ami Dark Gamin qui est également sous la bannière de Boreal Esport. Dark Gamin est un excellent joueur qui a vraiment un excellent raisonnement également. C'est lui qui a gagné le LAN ETS de cette année. Donc on va laisser Dark Gamin justement nous faire profiter de son expérience en tant que rogue qui a goldé ce héros-là. Donc il a choisi de nous présenter ce deck-là parce qu'il est à l'aise. Une autre chose qu'on remarque, c'est un combo adaptatif. Donc on sera jamais capable de nécessairement prévoir à l'avance comment on va utiliser notre poignée de spells, parce que oui, c'est essentiellement des spells qu'on va utiliser dans ce deck-ci. On va vraiment avoir du plaisir parce que étant donné qu'on n'est pas en mesure de s'adapter à la situation, on a tout le temps les surprises, donc c'est un deck qui demande extrêmement de concentration, on peut pas jouer machinalement, puis on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Sans vous spoiler, on a un excellent win rate, donc je vous invite à prendre un petit regard sur le deck. Donc, comme je vous disais, beaucoup de spells. Il n'y a pas beaucoup de cartes qu'on va être en mesure d'échanger parce qu'ils vont nous permettre de justement synchroniser, faire quelque chose d'un petit peu plus fluide. La seule carte qui serait possible d'échanger serait probablement le Goblin Autobarber. C'est sûr que contre des decks aggro, ils vont nous donner vraiment un avantage early game. Donc, présentement, avec la méta qu'on a, on est aussi bien de le garder. C'est possible d'y aller avec un autre Fan of Knife et ajouter par exemple un Dr. Boom ou Emperor Turition. Mais si vous voulez y aller sans les cartes de BRM, restez compétitif, parce que c'est pas tout le monde qui a investi de gold encore dans BRM. Vous y allez tout simplement avec les deux Autobarber ou Dr. Boom puis un autre Fan of Knife. Ça vous fait un deck complet et très compétitif qui graine extrêmement rapidement le ladder. Donc, je vous conseille fortement. Les autres cartes clés, c'est sûr que le Violet Teacher va nous permettre de faire des combos intéressants. Le Anti-Killbot si on est dans la merde. Puis, Azure Drake pour piger l'Hôtel pour ralentir les ennemis. Puis, bien sûr, le combo préparation avec Sprint pour nous permettre de cycler les cartes, d'avoir tout le temps les mains pleines puis d'être capable d'avoir toutes les réponses. Donc, on s'en va visionner 10 games. Je sais que c'est long, mais c'est ça que ça prend pour être capable de bien apprendre à jouer un deck. Donc, on va aller s'amuser dès maintenant en compagnie de Dark Gamin. Have fun, enjoy. La main de départ, c'est quoi que ça prend au juste? Les Backstab, les SI Agent, Deadly Poison, c'est bon. Fait qu'il n'y a rien de tout ça dans le fond. Mais là, je vois pas, c'est un peu bon. Eviscerate, Blade Fury, puis Sap. Eviscerate, on peut garder. Contre chasseur. Ok, fait qu'on garde ça, c'est bon. Là, en ce moment, j'ai eu deux Eviscerate, puis un Blood Mage Talnos. Puis Fan of Knife. Fait que là, je conclue que je fais end turn. Bien combien, moi. Incroyable. Tu t'entendrais bien avec Azul Rat. Ok, le turn-là, c'est weird. Il est genre contrôle en turn. Si c'est pas okay. Le gars, il s'appelle Legit, man. Il est pas Legit, pantoute. On va Hero Power puis on va créer son. Attends, mais là, faut trouver une situation de fireball, là. Ah ah! Ça pourrait être ça. À chaque fois que ton hero power tue quelqu'un. Non, non, là. Ah, si tu te couches vers 8-9 heures, tu vas être correct. Faut que tu sois chaud pour t'endormir à cette heure-là. Ok, c'est bon ça. Tiens, voilà une application pour l'auto-barber. Fait que là, dans le fond, tu mets le barber, ça te donne un 2-1, tu fesses la 2-2. Ouais, exact. Ouais, là, là. Faut vraiment que j'aille pisser, j'en ai. Patiente, patiente. Je suis patiente, man. Patientons. Désolé pour toi, très cher ami Legit. La 3-2 dans la Spider. Ok, puis après ça, Fan of Knife. Attends, attends.
Oh shit, ça va avoir encore plus de value. Malade, man. Et voilà, le tour est joué. L'affaire est ketchup. That's it, man. Guido, man. Bye. Jamais eu autant de plaisir à voir. Oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Belle série de couteaux. Assassin's Blade Tour 5, là, c'est toujours bon. Assassin's Blade Face-Face. Fait que là, dans le fond, t'as Clau. Clau. Là, on a du dégât. On a vraiment beaucoup de dégâts là, avec Thanos et Ulcerate et Ulcerate. Fait que là, dans le fond, les deux prochains tours, on essaie de baisser sa vie le plus possible. Puis au tour 8, ça va être Thanos, Ulcerate et Ulcerate. Son secret, c'est quoi, tu penses? Attaque dans sa face en premier. C'est explosif, on va le savoir. C'est ça. Parfait. On joue le tab, parce que c'est simple que ça. Claude Oteb. Cette carte-là, normalement, je la mets pas dans mes decks. Là, dans le fond, c'est pour breaker ses kills quand même. Ralentir les autres. On veut le ralentir pour que nous autres, au tour 8, on fasse Thanos et le Serret et le Serret de Fury. Ça va faire 14 de dégâts. Ok. Fait que dans le fond, Rogue, ça a tout le temps été le the Queen of the One Turn Kill. Pas mal, on est pas mal. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Face. Attends, face avec la 5-5. 14 plus 8. On a gagné. GG. Thanos. Oui. Attaque face avec l'hôtel pis ta weapon. Ok. Et puis serré deux fois d'en face. Un petit sorry de ta peine en même temps. Puis... Nervate Blade Fury. Préparation au Blade Fury, c'est ça? Exact. J'ai dit Nervate. Ouais, j'ai... C'est pour notre public attentif, là. Là, on laisse la carte spinner dans l'écran, puis boum. The pleasure is mine, bro! Hey, ma première win! En rank! Faut pouvoir dire si jamais... Tabarnak, faut fêter ça, shooter fireball. Oh shit. Shooter. Ben, je suis vraiment noob en plus avec... Première win. Le post-mortem avec Rogue. Yeah! 16 juillet 2015. Le jeu est sorti, ça fait un bout. Toute ma vie. Comment t'as dit ça? Je vais me rappeler de cette date toute ma vie. Là, en ce moment, j'ai Sap Sprint puis Azure Drake, je clear tout ça. Solide. Bien déduit, ça. T'es un spécialiste du Rogue, dans le fond. Ouais. Ben, c'est peut-être en moi, puis je le savais pas, tu sais. Dans le fond, il manquait une win pour être gold, c'est ça. Ouais. Moins 499. Ah, oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça va bien, ça va bien. T'as joué en tabarouette si t'as 5 héros gold pour vrai? Pas pire. J'ai moins win que Goulet. Mon héros power, le shield. Et je pense bien qu'un backstab ça vaut la peine. Faire le 2 damage direct. Boum! Les animations sont cool par contre. Ouais, Rogue c'est vraiment vrai ça. Dans le temps là, quand on joue Miracle Rogue là. Tu jouais ton 10-12 pep dans le même tour. Ça pétait partout, mon gars, les animations. Tu jouais 3 fois les rails, mon gars. Et lui, s'arrête. Et attaque la face. C'est un gros coup de couteau, man, dans le knife juggler. C'est un mon gars. Je capote. À fond, on attaque avec la weapon parce que le prochain tour, on n'a rien d'autre à faire que de remettre une weapon. Ok. Ça sert à rien de garder à une charge qu'on va l'utiliser. À moins qu'on pogne un Fan of Knife. Hein? Ouais, exact. Puis on n'a pas pogné Fan of Knife. Connaissant ta chance, c'est sûr qu'on pognait pas Fan of Knife. Hero Power Face ou un minion. Bon, on va y aller avec un minion. Chez toi, on veut Azure Drake.
on veut pas gaspiller notre Blade Fury parce que c'est une de nos plus grosses sources de dégâts. Blade Fury, c'est vraiment la carte la plus importante dans ce deck-là. Ok. Parce qu'on veut booster nos weapons puis clearer tout le board en même temps de faire du dégât d'en face. Parce que Blade Fury, ça touche toutes les minions plus le héros, c'est ça? Ouais, exact. Je suis pas sûr que c'était si bon que ça de dropper cette carte-là. Ben là, on a Azure Drake. Ouais, ça va être pas mal ça. On y va encore pour un 1-1. Ouais. Excellent ça. Pour voir notamment de la bouffe dans les vitres. Ah, c'est quoi tu bouffes à soi? Je sais pas. C'était le livreur, on va venir m'emmener. À soi, je cuisine pas. Même trop chaud, est-ce que je vais pas exploser quelque chose? Ok, là, on va pas le choix de les pleurer par contre. Il y a comme trade! Trop de monde à la messe en ce moment. Quelle messe? Ben, la messe qui est devant, là. C'est une expression québécoise qui dit qu'il y a beaucoup de gens sur l'autre bord du board. On l'a même pas dimanche. On fait-tu Blade Flurry pareil? On a plus tant de choix que ça, là. Ok. Tu sais, ce qu'on va faire, c'est Hero Power. Ouais. Auto Barber. Attaque d'en face de deux. Puis après ça, Blade Flurry. Exact. Parce que là, on mange trop de dégâts, sinon on va déjà à 10 puis... Ouais, j'avoue. On a l'antiquer le bot, il est bon. Idéalement, prochain tour, on voudrait assassiner du Blade. Ok. Ok, donc okay, on va changer notre plan. On va faire préparation sprint. On a besoin de plus de cartes, là. Ça marche pas notre plan. Ok. Puis on retourne la 3-1 dans ses mains. Hein. Ouais, j'accepte. On est-tu en bonne posture en ce moment ou c'est partagé? Je dirais qu'on est pas mal dans le négatif. Ok. Ok, On est rendu à 9. Le 9, c'est le bordel. Hey, mon gars, il en manque vraiment pas gros pour qu'on gagne. Dans le fond, il faudrait y aller qu'il botte. Ou. Ou si t'es confiant dans ton RNG, ok, joue il botte. Parce qu'on pourrait prep sprint, essayer d'aller chercher quelque chose qui pourrait vraiment nous faire gagner, mais. Je pense qu'il botte c'est mieux. Sauf qu'après ça, on a rien à jouer, c'est ça qui est poche. Pis là, on peut pas faire préparation puis sprint parce que ça va nous coûter quoi, 4? 4. Je pense qu'il faut qu'on joue notre auto barber. Même si on peut pas mettre de weapon? Ouais, exact. Pour essayer de clearer la 3-1 ou la 4-3. Ou si l'autre il ignore, on a le kill au prochain tour. Ok, ouais. On y va tout clearer. Ouais. Gassin, c'est Divine Shield, pareil, hein? Ouais. Là, il y a 8, 9, 10, 11. Puis c'est ça qui nous tue au prochain tour si on fait rien. Blade Flurry. Ben, c'est con, on rentre dans la face. Attends. Préparation. On va le mettre à 1. Fait que s'il n'y a pas de heal, on devrait gagner. Préparation. Ouais. Ouais, loin. Là, si on avait notre haha, là, on aurait déjà gagné. Oil pour 1, oil pour 4. Il nous reste 2 de mana. Attaque d'en face de 7. Et Blade Fury.
Ça, ce qui est poche, c'est qu'il avait son shield, mais... Ouais. Là, il y a... En théorie, il y a 8. Fait qu'à moins qu'il y ait 5 dégâts dans sa main, nous, on va juste mettre un Assassin Blade puis l'attaquer le 3 dans la face. Ouais. 2. S'il y a 3 dégâts, on est mort. Ah! Merde. Il en manquait pas, gros. Ah, c'était quand même cool. Oh my god. On va quand même donner le well played. Là. You must protect the wild. Ok, fait que je garde-tu Eviscerate. Dans le fond, j'ai sap. Ouais, c'est ça. Ok. Et contre quoi? Contre un druide? On va garder notre sap. On va renvoyer l'Eviscerate et te faire agresser. Ok. La sap, c'est pour renvoyer quel type de carte, c'est d'un coup qui innervate. D'un coup qui... Exact. S'il innervate quelque chose, nous autres, on va le sap. Ok. Je me mets un weapon. J'ai comme décidé de mettre un weapon, je me disais que c'était pas mal ça. Ouais, mettre la weapon c'était la bonne idée, mais attaquer. Non. Ouais, ok, ouais, c'était pas fait. Là, dans le fond. Parce que là, je vais réattaquer, je vais remettre un weapon. Ouais, c'était soit ça ou Fan of Night. Si t'aurais pas attaqué au dernier tour, je t'aurais dit Fan of Night. Mais là, vu que t'as attaqué, on va garder le même ordre d'idée. Attaque d'en face, ils vont pas haut. Ben, le Fan of Knife, ça aurait pu me faire piger quoi exactement? On s'en fout. Ça m'aurait juste fait piger, dans le fond. Exact, exact. Nous, on va avoir le plus de cartes possible. Mais là, on a un très bon prochain tour. Là. Surtout s'il attaque avec sa chaîne. Il fera pas. Dans... Là, Violet Teacher. Oh! Ok, Violet Teacher. Ouais. Point. Deadly Poison. Attaque d'en face. Ça va me faire dans le fond 2-1-1. Exact, exact. Puis on va l'attaquer de 3. Puis on a encore notre weapon de 3. C'est quand même vraiment bon. D'après moi, là, il va. Il faut que sa shade remove pas le 3-5, mais il peut le faire avec son Hero Power. Il va sûrement. Péter le teacher. Plus de chances qu'il swipe. Qu'il innervate à Hero Power. Ok. Je pense que le best c'est d'attaquer l'Otep. Trader les deux 1-1. Puis faire. Après ça, d'attaquer face avec la 3-5. Ouais, pis jouer la Assassin's Blade. Là, si tu deadly poison, là, tu vas avoir 20 dégâts avec ta weapon. 20 dégâts? Ouais, 5, ok. 5 x 4 en 1. Ouais, sauf que s'il y a Harrison Jones, je suis baisé. Ouais, non, il n'y a pas de druide qui joue Harrison Jones. Moi, puis je le faisais. Je vais mettre à l'arme robot. Depuis qu'il a vu notre stream tantôt. Ouais. Surtout que le gars il s'appelle Night Night. Exact. C'est comme le chevalier de la nuit. Fait que là, dans le fond, il faudrait Deadly Poison. Ouais. Ça, c'est sûr. Ensuite, on voudrait Eviscerate la 4-4. Ouais. Là, comme on a rien d'autre à jouer, on va faire un off-life seulement pour piger. Ok. En fait, on aurait dû faire ça avant l'Eviscerate, mais probablement que ça changerait. Parce que d'un coup, on aurait pigé quelque chose de meilleur, mais... Là, on va pouvoir piger, dans le fond, au prochain tour. Exact, exact. Là, on l'attaque de 8 d'en face. Ok. Là, lui, il commence à foirer sa vie, là, parce qu'il est à 16. Puis on a du 5-3 maintenant. Il commence à pas triper, là. Ouais, exact. Là, il va utiliser sa 6-5 pour péter le Violet Teacher, ce qu'il aurait dû faire tantôt. Ou, il va innervate combo. Et on va être à 1 de vie, non. Ok.
Ok, ça c'est bon pour nous autres en esti, mon gars. Parce qu'on a un sable. On a gagné. Fait que là, on commence avec un prep sprint. Ah, même avec ça qu'on a déjà. Il y a 16 de vie. Ah, ben non, t'as raison. Ok, c'est toi le coach. Ah, j'essaie d'être allumé un petit peu pareil, là. Fait que là, je sape. 8, plus 6, 14. Non, on peut pas gagner. Je le sape-tu ou pas? Ben avant, on voudrait prep sprint. Ok. Et après ça, on va le sap. Violet Teacher, Low Tub. Puis The Agent. Agent Face? Non, 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 faut saper, là. On sape. La 5-10. Parfait. 2-1-1, ça achète. Puis là, après ça, face. Ouais, 6 d'en face. Puis. Bon, c'est beau. Là, c'est vraiment. On n'a pas pigé des pistolets, on a rien pigé de bon, c'est un peu triste. Là, lui, il peut-tu encore gagner? Pas avec 8 de mana. Peut-être, il peut encore peut-être gagner. Là, il va remettre sur 5 distances. Heureusement, on peut le tuer assez facilement. Oh, c'est fini. Backstab. Ok. Boil. Ça, il joue avec ça. Ouais. Auto Barber, Blade Fury. Attaque d'en face. Non, attends. Attaque, excuse. Oh, c'est ça. Blade Fury. Là, dans le fond. Belle Fleury, puis t'attaques de 4 d'en face avec ton dégoût. Ok, ouais. Oh yeah. GG. 2-1, 2-1, ça part bien. Oh my god, the pleasure is mine. C'est un deck très rapide. Tu veux tout piger pour gagner entre le tour 6 et 9. Idéalement. Ok. Fait que ça, ça va vite pour grinder, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. On a, c'est pas vrai, on a payé 1 ou 2 avec le retour. Oh, mais c'est parce qu'on approche la fin du mois, pis on a déjà tout ranké plus bas, là. La fin du mois? On est la moitié, on est le 16. Oh, t'es à la fin du mois, man. Je pense qu'on. Contenteur, on va garder notre fan of Mike, ça, c'est sûr, 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 sûr. On va garder le Auto Barber aussi. Le Backstab, c'est sûr qu'on garde. On garde les trois. Auto Barber, ça amène présence sur le board early, pis ça rajoute un damage au weapon, ça peut être bon. T'as bien raison. On va le garder. On pourrait peut-être enlever un petit deck pour rajouter un deuxième Fan of Knife. Ben. T'as une idée de même, là. Mais comme moi, normalement, avant, je voulais pas d'Auto Barber. Deux Fan of Knife, mettons, pis sûrement genre un Dr. Boom ou Tori Sand, genre, à la place. Mais avec, parce que vu que quand il y a beaucoup d'aggro, c'est mieux l'Auto Barber, parce que c'est plus rapide que, mettons, qu'un Dr. Boom ou qu'un Tori Sand. Ouais, je comprends la pertinence de le mettre, là. C'est un peu pour ça qu'il est là, c'est parce que si la méta est rapide, pis tu veux être encore plus rapide, c'est mieux un Auto Barber que quelque chose de plus lent. Comme Fan of Knife, c'est quand même lent. Parce que ça coûte 3 mana, ça fait juste un dégât à tout le monde. Mais si on est contre un deck contrôle en ce moment, on est un petit peu weak. Pas nécessairement, comme je t'ai dit, parce que nous on pige beaucoup, 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 puis on est très rapide. Fait que le deck ouais. Contrôle, il n'y a pas le temps de nous suivre. Ouais, je comprends. Mais tu sais, mettons le Unlock qui pige chez deux, il bot, puis son Jaraxxus, on est fait. Hein. Non, parce qu'on le tue avant le tour 9, nous autres, on va le tuer vite, vite, vite. Ouais, au tour 6, ouais, j'avoue. Là, moi, ce que je ferais, ça serait soit Backstab ou Weapon en prévision de mettre le Goblin Auto Barber. Et ou. Tu Backstab et t'attaques dans la face de 1. Comme ça, si c'est explosif, on va le popper direct. Ouais, effectivement. Et voilà. Boom shakalaka, baby! Sauf que là, le barber, il perd un peu de value, mais en même temps, tu sais, on peut pas optimiser tout à 100% non plus, là. Ok.
On n'est pas obligé de jouer le barber tout de suite. On attaque puis on recrinque. On attaque, on peut recrinquer puis on peut mettre Deadly Poison. On attaque, ouais. On crinque Deadly Poison. Ouais, exact. Ça va être 3-2. On va la mettre 4-2 avec notre barber le prochain tour. Ouais, effectivement. Fait qu'à date, là, on est vraiment en position winning condition. Ouais, là, c'est sûr qu'on sait pas encore, lui, il est supposé être pace hunter parce qu'il est explosif, mais ça veut pas dire, on est pas sûr. Ouais, y'en a qui mettent explosif, freezing, puis snake, là, ils mixent ça pour te fourrer, là. Ouais. Rankon, ça se fourrait, là. Fait que ça, c'est bon, on va y aller avec le feature. Feature direct. Teach me senpai. Pis, face ou le 2-2? Je pense qu'on attaque la 2-2. La 2-2 parce qu'anyway, elle crèvera pas, c'est un explosif. Puis je vais pouvoir l'attaquer dans la face, puis. Ouais, exact. C'est probablement explosif en fait. Sinon, si on n'est pas sûr si c'est explosif, on peut attendre, jouer Fan of Knife, dès qu'on a une 1-1. Ok, laisse faire. J'ai rien dit. Ouais. Moi je prendrais la 3-5, j'attaquerais le Hall. Voir si c'est freeze. Comme ça on pourrait la réutiliser. Ok, là tu pourrais jouer à Azure Jack. Je face pas ou je face? Non, tu face pas. Je face pas pour garder le bord en santé pour péter ce qui va apparaître. Exact, exact. Sinon, si t'aurais voulu face, il aurait fallu que tu le fasses avant de jouer ton Azure Break. Parce que vu qu'on se doute que c'est explosif. Oh, c'est pas mal sûr, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ok, c'est vraiment un face-face. Nous autres, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on pige notre hitbot. Dans le fond, ça va être une course. Une course au damage? Ouais, exact. C'est le premier qui va tuer l'autre. Fait que dans le fond, la 3-3, la 4-4 dans la face, weapon, après ça on craint pis on met le auto-barber. Je pense que c'est plus vite si... Attends, attaque avec la feature. On va prendre un 50%, ok? On va barber pis oil. En fait, non, c'est un 33%, c'est pas grave. On va barber. Ouais, pis oil. Ok. On sait qu'il n'y a plus d'explosif. On va avoir énormément de dommages. Un peu de chance, ça va sur le drink. Okay. Non. Là, tu fais 11 en face. Là, c'est une course. On est pas mal égal, sauf que nous, on a un gros board. Pas lui. S'il n'y a pas notre leash de hand, on est pas mal sûr de gagner. Ok, le coup qui charge pour péter la 6-1, puis là, s'il y en a pas en ce moment, il va sûrement faire son weapon dedans. Ouais, c'est ça, mais vu que c'est une course, si tu t'arrêtes pour percer les pneus de l'autre, c'est sûr que tu vas moins vite que l'autre char qui continue. Fait que lui, il va remettre d'autres stacks sur le. Fait que lui, soit il va face pour essayer de gagner la course, ben... soit il s'arrête pour nous péter nos tires. Mais disons, on est déjà sur une lancée, là, on va le vite en tabarnak. Ok, ben lui. Il a décidé de péter nos tires. Ouais, exact. Là, ça c'est freeze. Ok. On est quand même pas pire. On peut encore gagner la course. Ok. Oh 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 oh, ça c'est fort là. Hero Power. Ouais. Aha! Ok, parce qu'il va nous le renvoyer, on pète son 2-1, il nous le renvoie et on le repète. Non, là tu joues ton 2-1. Ouais. De charge. Ouais. Fait que d'en face. Toute la gang. Non, non, attends, attends, attends. Non! Ouch. Ok. Fallait que t'attaques avec la 2-1 dans le fond pour popper sa trappe. C'est ça le plan. Tu savais que c'était ça, sa trappe? Non, mais je savais que c'était quelque chose du genre. Probablement t'as dit. ok, attends. 3, 4, 5, 6, 7. Très soin de vie. Joue l'agent sur la 2-1. Il attaque d'en face avec la 2-1 puis ta face. Là, celle-là, on l'avait. Là. Ouais. On se parlait, on l'avait pas. I misplayed everything, man.
Ben, en fait, on savait pas quel bonhomme ça allait attaquer, anyways. Ouais, ça c'est sûr, mais t'aurais perdu juste 2 de vie si t'aurais attaqué avec ta 2-1 en place. Ouais, c'est sûr. Lui, il aurait perdu 2 de vie de plus. Dans le fond, lui serait à 9, toi tu serais à 8. Ouais, effectivement. Donc, probablement qu'il y a genre 12 de dégâts dans sa main, fait que t'aurais crevé de pareil. Ouais, exact, ça. Il y a genre 1000 de dégâts. Fait qu'on mourrait pareil, c'est pas si grave, tu sais. Fait qu'il a pété nos tires, on a misplayed, pis. Il a pété nos tires, on a viré, on a tombé dans le fossé, pis là il est venu nous poker avec un bâton pour nous achever, là. Pendant qu'on agonisait dans le fossé. Fait que c'est pas une bonne personne. Non, il joue Face Hunter, là, tu t'attendais à quoi? Je sais pas pourquoi il y a autant de haine envers les Face Hunter. Parce qu'il pète tes tires, pis qu'il te pousse dans le fossé, pis après ça il vient te poker, hein. C'est pas être plaisant quand tu fais ça, là. Mais des affaires pires que ça, là. T'as raison. T'as déjà vu le film Rambo, là, le dernier, là? Rambo 6? Je sais pas si c'était le 6, là. Mais... Non, j'ai pas jamais vu de film de Rambo. T'as pas vu les films de Rambo? En tout cas, il est comme sur une chaloupe, là, avec des espèces de... T'as peur, on va juste prendre les cartes, mais on va te le compter après. J'ai Violet Teacher, Backstab, Fan of Knife, puis Eviscerate. Moi, je garderais tout, pour là. Ouais, ok. Pendant que je vais pisser, là, je garderai tout. C'est bon. Parfait, I'm back. Ah, j'ai skip le premier tour, je me disais que c'est ça que t'aurais fait. Bien joué, bien joué. Là, je me dis qu'on va craquer un weapon. Exact. Je pense qu'on va le garder. Ouais, ouais. Effectivement, pour le barber. Parce qu'il y a beaucoup de creatures qui ont entre 2 et 3 de life de l'autre côté. Là. Frank, il dit, je suis popo à rire avec cette classe-là. Ouais, je le crois. Je le crois. Il est bon warrior, Frank. Ok, ok. Barber, coin de barber. C'est un freeze mage, dans le fond. Sais-tu, ça va être une course. On va essayer de le péter avant qu'il nous alextrase la face. Non, on va tuer son acolyte pour pas qu'il pige plus qu'une carte avec. Avec ta weapon. Frost Nova. Ah, Frost Nova, on s'en fout, là. Ok. C'est pas grave, c'est pas Frost Nova. Ok, ça c'est parfait. Parfait, excellent, tout va bien. Tout va teacher. Bien. Teacher. Ouais, teacher backstab. Son teacher backstab, fait qu'on pète son 2-2. Ouais, pis on envoie tout dans la face. Ça c'est le truc. Tu envoies tout dans la face. Là ça va être. Fait que c'est ice block. Exact. Fait qu'on va essayer de le pincer. On va essayer de popper son ice block le plus vite possible. Je sais pas quoi manger. Oh là, j'étais là. Qu'est-ce que ça, on va dire que je suis chaud, pis j'ai genre bu 2 bières pis une coupe de shooter. C'est parce que ça fait quasiment 24 heures que j'ai rien mangé dans le fond. Ouais, c'est sûr, ça saoule plus vite dans ce temps-là. Je sais pas, je dirais pizza, poutine, les deux en même temps. Petit combo pizza, poutine. Ah ouais, man. Très solide. Là, je vais avec Drake. Ouais. On veut Drake. Parce que lui, il va Flame Strike au tour 7, ça, c'est quasiment sûr. Nous, on va y faire plus de dégâts en face avant d'avancer. À date, c'est solide, là. D'après moi, les chances qu'on gagne là, sont vraiment élevées. Non, c'est peut-être Echo Mage, man. Non. Ah, tu vois, il a tellement peur, là. Ah, okay. C'est sûr que c'est pas Echo Mage. Il est en train de poker lui-même ses secrets parce qu'il a peur qu'on les poke pas pour lui. Non, il a peur qu'on le tue en ce tour-ci. 3, 6, 9, 9 plus 4, 13. Lui, il a 20 de vie. Qu'on fasse 20. 13. Hero Power. Ouais. Non, pas faire la fin. 5, Viscerate. Poison. 2 fois Poison.
Eviscerate dans la face. Attaque avec le Drake, mettons, dans la face avant. Bah, tu veux voir si c'est Ice Block. Oh, c'est pas ça. Ok, fait que. Attaque pas avec ta weapon, fais pas Eviscerate. Attaque avec les deux Barber. Ouais, pour le dropper. Après ça, attaque avec ton T-shirt. Il reste deux de life, il faut qu'il pop Ice Block une deuxième fois dans le fond. Ouais, là c'est impossible qu'on perde. Hein. J'ai l'impression que mon estomac rentre vers en dedans. On va juste garder le sap vu que c'est brûle. Juste sap. Ouais. Good. Le salty des camps là, c'est un peu notre finisher. Hein. Ok. Si on veut salty, oil, mettons, puis taper genre de 15 moins. Ok. Fait que dans le fond, c'est pour proquer combo qu'on garde la 2-1 charge. Exact. Ok. C'est notre finisher. Ça pis oil, c'est genre. Ça fait vraiment des idées. Bah, that Rogue, j'aime ça. C'est un mind game. C'est fourette, pis en plus, ça va vite. On hero power, mais on attaquera pas parce qu'on veut barber au prochain. Je m'en allais le caler. Parfait. Dès que l'apprentissage se fait tranquillement. Exact. Ok. Pas mal barber. Ouais, exact. Face. Mon gars là, tu veux-tu... Tu game? Tu vas faire preparation puis bang? Ouais. Ça serait quand même pas pire YOLO. Ah, oh, il va YOLO, man. Ouais, mon gars. Oh, il va, man. On est pas ici pour se pogner le derrière. Oh, on drop la sauce. Drop la sauce, là, s'il y a un rat, swipe ou keeper, il va nous tuer. Oh, il va pour... Le swipe. Oh! Keeper. Oh my god, c'est dégueulasse! Ok. Fait qu'en gros, on aurait pas dû faire ça! Ouais, mais les chances qu'il nous tue étaient hautes, là. Mais là, j'irais face Hero Power. Face Hero Power. Bon, en même temps, tu sais, comme Artic avait dit dans la vidéo d'introduction, hein, c'est pas grave si on se rend pas Legion tout de suite, là. Exact. Moi, en plus, là, je suis d'un premier, là. Si on serait rendu Legion aujourd'hui, t'aurais pu faire d'émission, là. Ben, en gros, on avait dit aussi qu'on pouvait pareil le refaire à chaque mois, mais c'était moins hot, là. Faut faire des affaires de noob, là, tu sais, faut que exact, ça... Exact. En même temps, j'aimerais ça me rendre Legion par moi-même, pas parce que, genre, écouter quelqu'un qui m'a dit des affaires, qui a fait que ça a marché. Ouais, exact. C'est plus hot de faire du tryhard pis tout essayer. Là, j'irais avec le Drake. Allez, bon choix. Sinon, il aurait eu ça, mais j'aurais pas pu rien faire d'autre après, fait que... Drake, exact. That's it. C'est bon. Loin de nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est toujours pigé. Là, je garde le weapon parce que je peux rien faire. Garde tout, garde tout. Prochain tour, on peut clearer le board sur un instant. Quickly, on dirait qu'il l'a vu venir. C'est rare qu'il nous voit venir. Là, on a plusieurs choix. Là. Choix numéro 1 qui, d'après moi, est idéal. Violet Teacher, Backstab, Auto Barber, puis on tue un des deux ennemis. Autre choix. Backstab, Agent, Auto Barber, puis Deadly Poison. On va avoir une weapon de 4, on va tuer un des deux de 4, puis l'autre, on va le tuer avec le Backstab et Agent. Et l'avantage du Violet Teacher, c'est qu'elle va te donner un 1. On va pogner la Violette, je pense. Bon choix. Les deux, ils viennent un peu au même. Sauf que, vu que t'as la Violette Teacher, ça va donner 1-1. Fait que là, je... Backstab. N'importe lequel. Très sûr. Là, ouais, Auto Barber, tu vas attaquer la 2-2. Puis il reste rien qu'une 2-4. Exact. L'autre play éclairait le board, mais toi t'avais un plus petit board. En tout cas, là t'as un plus gros board, pis l'autre il y a juste un 2-4. On est pas en danger de mort présentement, là. Pas en tout. Il y a juste 6 de mana, il peut pas faire son combo. Exact. Avec ses délicieuses armes de la victoire. Même le combo en ce moment il nous ferait 18, c'est qu'on serait pas mort.
Ouais, effectivement. Mercredi, pizza. Hey, your opponent draw two cards, man. T'es bien cave. Oh, c'est un build deck. Wow! Ok, fait qu'on gagne, c'est sûr. Exact. What the fuck? T'as-tu compris? On va mettre un autre Merlock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va juste perdre une carte. Fait chier pareil, hein? Non, non, non. C'était trop lent. On la voulait pas. Ok, fait que là, en gros. Là, c'est le genre de situation paniquante, il y a full carte. Non, là, c'est le genre de situation, on y pète la gueule. Pirate. La 1-1, elle va tuer la 2-1. Ok. Non, 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 la 1-1. Ouais, c'est okay. Bon. Good. Ouais, c'est bon. On va jouer Agent puis deux fois, puis on va tuer ces deux Marlocs avec. Parce qu'on veut vider un peu notre main pour être sûr qu'ils ne fassent pas refuser plus. Ok. Ensuite, le 2-1 là en face. Et... ouais, la weapon aussi. Là, après ça, on recraint puis on fait d'autres choses. Ben, prochain tour, on va voir qu'est-ce qui se passe là. Avec ce deck-là, c'est dur de prévoir en avance. Parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est du Adaptative Control. Ouais, comparé au druide, mettons, le druide là, comme je pouvais prédire 3-4 tours d'avance, parce que c'était quand même évident. Mais avec ce deck là, c'est vraiment rare que tu vas prévoir d'avance. Ok, fait qu'il faut vraiment que tu sois concentré pour jouer ça. Ouais, exact, ça c'est quand même, parce que tu joues, mettons avec druide on jouait une ou deux cartes par tour, fait que c'est quand même facile à prévoir. Mais avec ce deck là, tu peux jouer 3 ou 4 cartes par tour, c'est dur à prévoir. Si tu fais pas les bons combos, ben t'as perdu la game. Ouais, y'a des bonnes chances. Mais là, lui, c'est un troll. Là. Et voilà. Là, j'ai Fan of Night, pis Sap, pis Sprint. Ouais, c'est pas très bon. Oh. Contre Mage, le Sap, c'est moins utile. Fait que je pense qu'on va le jeter. Sprint, c'est trop lent, c'est sûr qu'on le jette. Fan of Night, tu peux plus jouer. Ouais, c'est ça. Là, il reste le Fan of Night. Fan of Night! Je pense qu'on le garde. Ben, si c'est un mec mage pis murderer, ouais, quick, ça va être déjà tournant. On devrait l'enlever, non? Bon, je pense qu'on le garde. On le garde? Ça nous fait piger, ça fait un peu de dégâts à toutes les minions. De manière générale, c'est une bonne carte. Ok. Oh mon dieu. On va leur pogner ça, anyway. Bon, c'est pas grave. Au moins, on n'en a pas deux. Ok. On va attaquer la 1-3 avec notre weapon. Pour faire Eviscerate au pêche. Non, on va sûrement réattaquer puis faire Fan of Night. Ok. Pour piger puis se débarrasser. Ça va tuer son minion. On mangera pas trop de dégâts. Oh, si, c'est un autre mage. Ah, t'as une race dans le fond? Non. Nous autres, on va essayer de clearer, puis lui, il va essayer de nous tuer. Ok. Fait que 1-2. Ouais, avec la Fan of Night. Bon, faut juste espérer qu'il mette pas trop de minions, c'est pour nous. On a quand même Blade Fleury, fait que si on pige un Deadly Poison, on va être en business. Ça va tout clairer. Bon, ça va faire un 3 de damage à tout le monde, donc. Sauf nous. Il y a quand même un bon start, lui, là. Ouais, c'est ça. On espérait qu'il n'y ait pas plein de mecs. Je pense que ce qu'on va faire, c'est tuer les deux mecs Warper. Pour pas qu'ils continuent à grossir son board. Ok. Fait que ça va être des Eviscerate, dans le fond. Backstab la 2-3. Weapon up. Attaque la 2-1. Puis après ça, Eviscerate sur la 2-2. Ouais, je suis pas sûr. 4-3 finalement. Non, je pense qu'on Eviscerate la 2-2. Prochain tour, on va sap la 4-3. Ça va ralentir pas mal. Ok.
carte. Ben, j'avoue que si on bute la 4-3, il laisse deux cartes sur le board encore. Puis il peut continuer à mettre des mecs pour pas cher. Ouais, exact. Parce que là, on le ralentit pas mal. Ah ouais, man, une Sorcerer Apprentice dans un Mech Mage deck, c'est bien bizarre. Ouais, c'est parce qu'il y a des Flamewalkers. Dans le Mech Mage, il met ça, c'est bizarre. Ben lui, c'est ça, il est comme un peu hybride, là, ce moment-là. Là, moi, sérieux, j'irai avec le Healbot direct pour être mana efficient pis remonter ma vie, là. Et si on fait ça, on mange beaucoup de dégâts, par exemple. Ben, je peux faire et tout Barber. Non, c'est pas bon. C'est pas assez de damage. Tu peux sap la 4-3, puis Barber pour attaquer la 3-2. Ça, ça ferait clear board. Ça te donne un tour à un petit board ici. Ok. En même temps, selon ce qu'il va faire, on peut pallier au prochain tour. Ouais, exact. Soit avec Oil Bale Curry, ça pourrait clearer son board s'il joue plusieurs minions. Sinon, on peut toujours juste heal bot puis regarder à temps. Il va remettre son Shredder, non? Ouais, il va remettre son Shredder. Moi, c'est ça. Oh non! Un tirap. Yes! Ok, ça c'est bon, ok. Ça. C'est très très bon. Très très bon. Pas tant que ça. C'est... Ce qui est vraiment chiant ici, c'est qu'on a rien pour combo notre Eviscerate. Malheureusement, je pense qu'il faudrait qu'on blade tirer. Pour tuer ça à 2-1, puis réussir à tuer ça à... Ouais. Oh non, je pense que c'est serait trop. Ouais, on aimerait tellement ça avoir un plus de mana en ce moment là, ça ferait toute la différence. Ouais. Je pense qu'on aurait risqué à Zodrake vite. Pas le choix. Allons. Que... Dans 3-2, dans 2-1 ou... Ouais. On est vraiment dans l'air en tout cas, mais on peut toujours... Oh ouais, je sais même. Ben quoi que la Blade Flurry aurait éclairé son board pareil là. Oh man, c'est pas mal fini. C'est pas mal fini. Ah, là le Piloted Shredder time. Queen and what? Stealth, ok. Ouais, dans le fond, il a gagné pas mal, là. Oh my god. Ben là, dans le fond, on a pas le choix de nous autres jouer Healbot. On va éviscérer de sa 4-3. En priant que ça donne le cordeau de Saiyan. On est quoi de merdier? Ah, c'est pas payé au moins, il n'y a pas de Battle Cry, c'est une 1-1. Fait que là, il fait 6-7. Ouais, ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans les mains, là. Il a pas joué de Fireball encore. Normalement, à Mech Mage, il y a des Fireball. Quoiqu'il a mis plein d'affaires weird dans son deck. Et notre main est vraiment horrible, là. Ah, deux Blitz Fleury pis deux Oil, c'est deux cartes qu'on veut pas. Lui, il a été vraiment rapide là, il a droppé sa main genre vraiment vite. Là, il faudrait qu'on pige un Deadly Poison. Ça va arriver. Ah. Ok, c'est pas super. Ah, attends, non, il manque un de mana. Il nous a manqué un de mana toute la game. Faire une plainte à bizarre là, votre rogue, vous le startez à deux de mana, man. Deux de fucking mana. Ok, on va Hero Power, on est obligé. Là, on met le South Sea. Ouais, bonne idée. Ouais, exact. Ça va être qui l'a, ok. Ok, donc le 6-3 dans la 5-4. La face dans la 3-4. Et la 2-1 dans la 2-1. Donc il nous reste comme 3 de vie. Et on a plus des bots. Oh ouais. Bah, il nous reste soit 2 de vie, pas mal. Si un spell, on a perdu. C'est sûr. Hey, dis-moi, c'est sûr qu'il y a un spell. Hero Power. Hey man. Will be your death, bitch. Come on, man. Priest est vraiment bon, là. Priest, normalement, on va le torcher. Let's kill him! C'est quand même pas pire main de départ, là. C'est quand même très pas pire, ouais.
Ma seule question, c'était Thanos. Moi, je la garderais. Parfait. Pendu. Là, c'est parce que si on pogne, exemple, Fan of Knife. En plus, parce que c'est une. Elle coûte 2, c'est une 1-1, puis il y a un Death Rattle de piger une carte, là. Puis si t'as joué trop tard, lui, il peut t'a contrôler. Il te pique ta carte, ça lui donne spell power, puis il pige ta carte pour toi. En tout cas, c'est le raisonnement que j'ai eu, là. Parfait. On va passer ça direct, là, maintenant. Tu sais, on va pouvoir faire un combo, mettons, sur son zombie chow. Écoute, non, pas vraiment. On peut toujours faire des combos sur son zombie chow. Ben, là, c'est... Le choix que t'as en ce moment, là, c'est Thanos backstab. Ou Backstab Coin Agent. Je pense que Thanos Backstab, c'est mieux parce qu'on va pouvoir garder notre coin pour la teacher. Ouais, pis en plus, t'as peur. Ça pourrait être un bluff weapon. Que lui, il a le temps de buffer son zombie chow aussi. Thanos Backstab, c'est assez solide, mais c'est dur à battre. C'est la seule raison qui me faisait hésiter, en fait, à garder le Thanos. C'était pour faire un backstab de 3 damage autour d'eux. Ok. Parce que le plus, c'est la 1-3, comment ça s'appelle? Ouais, le Northshire Cleric. Ouais, exact. Ça, puis les Zombie Char, c'est genre les deux créatures à 3 de vie que le plus il joue au début. Moi, j'aime bien ça, cette classe-là, Priest, pareil. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est Hero Power, puis Token, Goblin, Auto Barber. Ben non, ça donne pas vraiment de finalité au bout du compte. T'attaques de 3, fait que sa carte est encore en vie, il peut la healer. Ouais, c'est ça le problème. Ça le problème, c'est parce que si tu remove pas ce que tu vas attaquer avec un Priest, il va tout le temps le healer. J'ai quasiment un goût de quoi de la belle teacher. On va y aller de même. Parce qu'avec ça, on va pouvoir combiner pis tuer sa 3-4 si il s'en départit pas tout de suite. Ouais, exact. Comment ça, il va pas s'en départir en plus. Là, il va healer son petit bonhomme. Sur le World Paint, ça serait triste. Hey, moi, je jouerais jamais ça dans mon deck. Ah, c'est cool. Le droit, on va lui donner quand même un petit peu de respect. Faudrait préparation et viscérée avec la 3-4, puis après ça, on fait l'agent dans sa face. Je pense que c'est ça le boss. T'as un peu. Préparation, ça coûte à rien. Claw. On pourrait faire weapon, puis mettre tout de suite cet cossin-là. Oh, ouais. J'aime mieux ça. Préparation. On le tue pour pas qu'il y ait le personne. Weapon de shit out. On va faire attaquer le 8 avec notre weapon. J'attaque le face avec la 2. Non, t'attaques pas là. C'est pour remover ce qu'il va mettre sur le board dans le fond. Ouais, c'est nous autres, on veut Deadly Poison au prochain tour. Et on veut que tu profites de tes deux charges de Deadly Poison au lieu de juste ça. C'est okay. Quoi ce deck là? C'est parce qu'il y avait la carte gold, fait que c'est dit fuck man, faut que je mette ça dans mon deck. Ok, c'est là on a 5 de mana. Ben Deadly Poison, puis. Un jeu à la face. Je t'attaque la 2-4 avec ta weapon. C'est parce qu'on préfère agent. Non, on a pas de. Manque de mana, il manque toujours une mana avec gold. Fait que agent à la face. Ouais. Puis t'attaques avec ta weapon sur la 2-4. T'as 3-2 dans la face. J'aurais montré ça aux enfants, même aux primaires, ils apprendraient à additionner, ça serait pas long. Hein. C'est clair. Miss Lethal. Es-tu un circle la fille? Ouais. C'est ça qui est gossant à un prêtre, man. De tout le temps. On va y aller avec un fan à fenêtre. On va essayer de piger.
Faudrait se débarrasser de la 4-6. Effectivement. Sauf que je pense pas que la solution c'est de clairer le board. Puis on a besoin de garder Blade Flurry, j'imagine. C'est ça que je me demande contre Priest. Priest aussi c'est Rock qui remplit le board. Ben t'sais, on pourrait faire 4 dans la face, la 3-2 dans la 4-6, garder notre 3-3. C'est sûr que la 3-3 va dans la face, c'est sûr, c'est sûr. On va en mettre tout dans la face. Je pense que ça veut peut-être la peine de Blade Flurry pis trader ta 3-2. Donc, trop tard, ah, toute face, fuck off, fuck off. Parfait. J'aurais dû faire Hero Power pareil, mais toute face. Quand t'hésites. Quand t'hésites, va face. Exact. Not quite what was planned. Azure Drake. Ouais. Ben lui, il arrête pas de se healer, là. Ouais, ouais, vas-y, Blake. On va essayer de payer le budget de quoi. Hero Power attaque la face. Prochain tour, on voudrait assassiner Blade puis Goblin Auto Barber pour avoir 16 de dégâts avec notre weapon. Ok. J'espère qu'il n'y avait pas de flash Blade. Hey man, une Shade of Nax, man. What the fuck? Je t'ai dit, son deck est fucké, là. C'est un haut ticket dans le fond. Hein. Une chance qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Ok. Donc, on va voir ce qu'on a dit. Assassin Blade. Goblin Auto Barber. Fait que dans le face de 4. On y va-tu avec le sorti d'Aken? Non, 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 non. On va le garder d'un coup qu'on pige un oil. Ok. Si on pige un oil, on gagne. Lui, dans le fond, il joue Harrison Jones. Ouais, ça, ça se peut, ouais. Si là, on va juste continuer. Il reste 5 de mana. On l'a pas. Wow. Ouais, ça, il va essayer de tuer d'un coup avec son... Il va faire le... Il va le mettre 13-13. Ok. Ça ne manque pas beaucoup de dommages, on est déjà 8, 9, 10, 11, 12. Oh, j'ai vu ça. Gagné! Gagné! Pirate. Ouais. Attaque face. Avec les deux. Blade Fury puis Eviscerate. 5-3, 5-3 quand même. Je trouve que c'est malade le BM de The Pleasure is Mine. C'est malade. Le plaisir est pour moi. Wow. Un plaisir de vous péter la gueule. Là, regarde rien. Ou peut-être le Talnos. Juste le Talnos. Un de mes amis que je coach, puis justement, lui, il jouait Zoo. Tu sais, il gagnait gros des games, mais mettons 5 ou 6 games sur 10. C'est quand même respectable. Là, ça va bien son affaire. Là, quand je le regardais, là, souvent, je disais, hey, si t'avais fait ça dans l'autre ordre, mettons, ou si t'avais joué l'autre à côté, t'aurais fait un dégât de plus. Ça veut pas dire que ça va te faire gagner la game. Mais une fois sur 10, ça va te faire gagner la game. Donc, ouais. Au lieu d'avoir 5 ou 6 victoires sur 10, tu peux aller chercher 6 ou 7 victoires sur 10. Ouais, exact. À long terme, ça fait une bonne différence. Là, on va weapon up et on va tuer son instrument. Ça, dans un de même, il y a ça dans les decks mid-range aussi. Non, surtout mid-range. Face d'habitude, ils les mettent pas. Ils les mettent pas parce que ça va moins vite, faut que tu ailles. Un 1-1, elle va te donner une beast qui va probablement pas être aggro. Ok. Là, c'est parfait, on va auto-barber puis on va attaquer la baby. Faut que j'apprenne ça, Hunter aussi. Ouais, mais c'est comme j'ai dit, tu sais, Hunter c'est facile à jouer, il y a pas des chances que. Ouais, Mad Kid, tu peux toujours apprendre. Il est pas trop tard pour apprendre les maths, mon gars. Il a écrit, après ce qu'on a dit tantôt, il a écrit « J'aurais aimé ça, moi, apprendre à compter en jouant à Hearthstone. » Il dit qu'il vient de connaître son primaire. Ah, mais c'est con, mais pour vrai, c'est un jeu qui est vraiment cérébral, là. T'as pas le choix de réfléchir, sinon tu te rendras pas loin. C'est probablement Freeze. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la 3-2 dans la 4-2. Ok, pour la ravoir.
Non, pour voir si c'est vraiment freeze ou si c'est explosif. C'est freeze. Ok. Parce que là, on va jouer le Violet Teacher. Mm-hmm. Et on va prep ça. On veut pas manger trop de dégâts. Encore là, c'est une course. C'est déjà compté, Matt. Oh, les. Là, nous autres, ça lui fait un pop-air board pareil. Lui, il va falloir qu'il flotte du mana pour aller tuer la Violet Teacher ou nous mettre tout ça dans la face. Lui, c'est une course, ça m'étonnerait bien gros qu'il attaque ta Violet Teacher. Mais disons, il faut faire attention pour 1-1 pour prendre Leash de Hound. Parce qu'on veut pas avoir trop de 1-1. Parce que s'il fait un Leash de Hound, il va faire beaucoup de dégâts. Ok. Fait que là, si lui joue des minions, on va tout trader au 1-1 au fur et à mesure. Ok. Ok, ça c'est vraiment bon, hein. C'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il y a un mana, un autre web spinner, ok. Ok. Deadly poison. Là, c'est que, là, on sait qu'il joue freeze. Donc on va prendre la 3-5, on va attaquer la 2-2. Ok. Puis on va renvoyer une 1-1 dans nos mains. On va essayer, ouais, on va essayer. Attaque la 1-1 avec la 1-1. Et voilà. Good, et voilà. Fait que là, on vient de gaspiller sa freeze. C'est bon. Ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut whip and up, deadly poison, attaquer la 1-2, puis blade fleury. Pour ça, on va clearer son board. On le tue. Ok, non, on va pas faire ça. Juste 3 dégâts, ça me dérange pas trop. Ta 1 va tuer la whip spinner. Tu peux jouer l'autre 1-1 qui coûte 2. Ok. Pas de Blood Mage Talnos, on attend d'avoir genre. Exactement, on va prendre Talnos qui peut être furieux au prochain tour pour tuer tout ce qu'il va jouer. Ah, cool. Seems like a good plan, man. I don't like a plan. Vu qu'il est plus mid-range, même si on laisse 2 dégâts sur le board, c'est moins grave. Okay. Si c'était face, on aurait peut-être été mieux de mettre Fury tout de suite. Parce que là, c'est pas vrai que c'est une course tant que ça, parce que lui, il va jouer des high main et des plus de chance. Oh, le Huffer, il a quand même coûté 3 de mana à remettre, là. Ouais, exact. Ok, ça, c'est vraiment bon. C'est cool, parce que là, on a l'agent pour tuer son 3-2. Ouais. Là, on irait sûrement avec Talos, l'agent, c'est à 3-2, puis on garde notre weapon. On est pas pressé. Même si l'agent, même si le Blood Mage, il nous donne, sert à rien pour au niveau de Zero Power, ça fait juste comme... ok, ouais, au niveau mana, on peut pas vraiment faire autre chose, puis il faut proquer le combo. Exact. Mais okay. En même temps, ça va nous permettre de piger. Lui, il va sûrement trader sa 1-1 dans notre 1-1. Ouais, est-ce qu'on y va la 3-1 face? On la garde, on la garde. On veut Blade Fleury. On veut qu'il remplisse la board puis qu'on Blade Fleury. Ok. Good. Oh, la carte la plus broken de The Hunter est sur la table. On a un choix là, avec lui. Ok, on va y aller un petit peu YOLO, mais pas tant que ça. Backstab, clac. Backstab, oil. Puis attaque face avec la 6-3. Tu gardes ta weapon encore. Ok, tu veux voir s'il va trader? S'il trade, on va Blade Fleury, puis on va clearer ses 2-2. Au prochain tour. Ok, ouais. Ok, fait que le clac and turn. Ouais. Ouais, ben comme je t'ai dit, il y a toujours une petite décision. Excellent, nice. Il va trader en plus. Ah non, face. Ah, mais on a backstab là, mais c'est juste 2 damage. Ah, puis c'est sur un undamage. C'est parce que les bombes vont quand même tuer notre 6-3, c'est sûr. Il y a des bonnes chances. Disons, si on veut clearer le board, là. On va mettre le barber pour. La 6-3 dans la 6-3. On a combien de dégâts? 12, 13, 14. Ouais, non. Il est trop low. Le 6-3 dans la 6-3. Auto Barber, Blade Fleury. Weapon up, puis attaque d'en face. Oh, nice, nice. Ça a dû laisser notre niveau. On est chanceux pour vrai.
quelle heure j'ai commencé? Ça doit faire une coupe de game, là. Oh shit, man. Oh shit, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Web Spinner qui a créé ça. Ok, ok. Feature, backstab, ils ont tué la 5-6. Puis on va jouer les bots aussi parce qu'on est quand même mieux. Ok. Clac. Ouais, t'as accès? Ouais, ouais. Pas le choix. Et ça, là, on descend à 7, mais les bots, je remonte à 15. Ouais. On a un plus gros board que lui présentement. Exact, aussi. Exact. Sauf qu'on a moins de cartes. C'est ça notre désavantage en ce moment. Pour ça, je t'ai dit que si on pêche pas le sprint, on est un petit peu mal pris. Normalement, même que l'autre, il y a quelques mètres, des ronds power, puis il me tue, puis là, il dit eSport! C'est un smart. Donc, quand même. Big shot. Ah, mais. Ok, là, il est dans le. C'est nous qu'il faut qu'il pige, pas lui, là. Sprint, please. Yep. Nice, vas-y. Got it, man. Ah, oh, nice. Agent, le... Le 3-2. Ouais, exact. Prochain tour, on va voir prep sprint. Ok, Back in business, man. Exact, back in the game. Puis il reste un kill quand même, il y a 3, 4, 5. On est correct. Tu gagnes, disons. Ouais, oui. J'aime sprint, pas le choix. Yes, yes, yes. Tu veux saper sa 4-3? Pas le choix. Après ça, Weapon Up, Barber, Poison. C'est assez de dégâts. Bon, on a pas de poison. Ah, ok, on a 4 de même. Là, on tue son Wolf. Ouais, je me demande juste avec quoi. Ah, avec la 3-3. Trop risqué qu'on se fasse tuer. Déjà que là, ça se peut qu'on crève. Ouais. Là, si du coup, on le tue probablement au prochain tour. Mettons qu'il joue son Shredder, on va être bien content. Ça dépend s'il y a kill common. Je pense pas, parce qu'il y en a déjà fait un tantôt. Ça dépend à quel point il est risqué. Nice, Shredder. Ok, nice. Je pense qu'on a gagné. 3, je ne pouvais pas en faire de combo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes! Oh! Ah! Stop. Blade, poison, oil, face, go. Blade, poison, oil, assisted blade, poison, oil. Attaque d'en face. Tu dis, ouais, Blade. Ça-tu marché? Oh, ouais! Rexar again! D'accord, ça fait 3 de suite là. Barber Teacher quoi? Teacher c'est quand même lent contre Hunter, fait qu'on aime mieux l'enlever pour avoir des backstabs ou des fan of knife. Fait que Goblin Auto Barber, that's it. Ok, oui. J'irai avec ça. Allons-y avec ça. Ah, c'est bon, un backstab. Deadly Poison, c'est cool. Donc là, tour 3, on pourrait y aller avec Poison et Barber. Ouais, fait que dans le fond. Puis on a déjà notre Blade Fury prêt pour clearer le board. C'est quand même bon. On va y aller avec le backstab. Direct. Puis je pense qu'on attaque la face pour checker pour si c'est explosif. Ok. Tantôt. C'est un freezing. Oh, une snake. Mais c'est pas vraiment freezé. Sauf que là, ça fuck un peu le plan pour. Ouais, ça c'est sûr. Mais parce que si on mettait le barber, puis finalement c'était explosif, on perdait notre barber, c'était pas bien.
Ouais, exact. Attaquer face, hero power, poison. Le plan est bon. Le plan est toujours bon. On a Barber pis Dave Fleury au prochain tour si jamais on veut. Ouais. Nice, nice. Ok, ça c'est bon. On okay, peut péter à 2-4. On espère vraiment que c'est Snake là. On y va avec Barber. Ouais. On peut attaquer la 2-2 pis Blade Fleury pour clearer toute la board. 2-2. Cloud. Snake. Oh non, c'est plus. Voilà, on clear la board pareil. Là, on veut un prêt pour aller avec notre sprint. Caster Freeze, même si attaque face, ça va popper, right? Ouais. C'est quand même cool, ça va rebuffer notre weapon, pareil. Ouais, mais ça va coûter cher, par exemple, 4, c'est quand même cher. Ouais, effectivement. Y'a rien de parfait dans la vie. Exact. Sauf les femmes. Pis la Molson canadienne. Ouais, exact. Bon. Je proc la trap. Ouais, ça c'est sûr, là, on n'a pas vraiment le choix. Bon. Ok. Maintenant. On aimerait savoir une manette plus. Ça. On tue la 2-2 avec les Viscerate, on pop le weapon, on check c'est quoi la trap. Ou tu doutes ouais, que ça va être deux freezing ça. Trap. Ah ouais, c'est bon. Mais ça va sûrement être. Souvent c'est freezing avec Snake ou explosive avec Miss Direct ou juste explosive. Ok. Moi j'irais attaque face, hero power, barber. Toute ta main, c'est des spells. Ouais, exact. Ouais, mais contre Rogue, tu peux pas mal le jouer n'importe quand. Puis... Rogue, il est défendu des spells. Ça, à faire Rogue, souvent, tous les decks Rogue, qu'est-ce qu'ils sont vraiment basés sur les spells. Prep sprint, c'est bon, ça? Ouais. Je pense qu'il faut qu'on sample la 4-3. Ben ça, il va nous la renvoyer dans les mains anyway. Là. Exact, fait qu'attaque-les dans la face. Okay. Le prochain tour, on va avoir un esti de bon tour. Là. Je vais aller chez ma pizza et j'arrive. C'est bon. Backstab, l'hôtel? Backstab? Backstab. L'hôtel, ouais. Alors, on va y aller, Fan of Knife, Bill Fury. On va tout tirer. On va créer son ego knife. J'avais fait Blue Mage Thanos, puis ça a fait un snipe dessus. Parce qu'au début, okay. C'est sûr, j'aurais fait Eviscerate pour faire 5 damage sur l'hôtel. Ben, ça a comme fucké le plan, puis t'es arrivé ouais, au. Ouais, ça a arrêté. T'as raison, mon gars! T'es mort, malheureusement. E-sports, c'est le bon kill quand même. Ah, mais c'était quand même fou, là. On aurait. Ouais, c'est pas grave. Tu es un des seuls courageux qui a visionné la vidéo au complet, qui sait maintenant comment jouer un Rogue Oil.
on va tout de suite te présenter ce qui va arriver la semaine prochaine sous les ondes de Noob to Legend. Donc, un Demon Lock en compagnie de Mathieu Fournier, un autre joueur qui est extrêmement talentueux, qui a une manière un petit peu plus agroïste de voir les choses. Donc, on vous laisse observer, il n'y a aucun heal dans ce deck-là. C'est vraiment comment apprendre à maximiser les dégâts et faire les bons choix au niveau des trades. Donc, si vous voulez essayer le deck avant de voir le tutoriel pour vous mettre dans le bain pour la semaine prochaine, ben, il est là. Fait qu'on s'amuse avec ça. De mon côté, je l'avais essayé, ça avait pas été satisfaisant, mais après avoir reçu le cours, il y a du potentiel. On parle d'un au moins 60% de win rate. Donc, essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez au pire aller dans la description du vidéo. Si vous avez d'autres idées de deck ou que vous voulez participer à l'émission, ben, vous l'écrivez tout simplement. Vous pouvez aussi nous écrire à youtube@infoqtm.com. De plus, moi, je vous rappelle que mon nom, c'est Postmortem, puis je vous remercie extrêmement de participer et d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça vous a été utile, puis là-dessus, je vous dis shout-out, puis à la prochaine.